Une page d'action sociale dans ce journal. La fondation Bank of Africa a offert un bâtiment comportant 3 salles de classe, des toilettes et un espace de jeu à l'école primaire d'Amoroki, un village de près de 6 000 habitants situé dans la sous-préfecture de Nzekrézessou, 45 km de Bokanda, au cours d'une cérémonie. Ange Assémion pour le commentaire. Le village d'Amoroki, dans la sous-préfecture de Nzekrézessou, département de Bokanda, dispose désormais d'une école maternelle, un don de la Fondation BOA Côte d'Ivoire. Le bâtiment de 3 classes, ainsi qu'un bureau, une aire de jeu et des latrines à 3 compartiments, ont été officiellement remis au village et aux responsables de l'éducation nationale. Alors, Ngolenzwe a sollicité le projet et la BOA Côte d'Ivoire, à travers sa fondation, afin de pouvoir remettre aux élèves du préscolaire d'être dans des conditions de travail, d'apprentissage améliorées. Et cela s'inscrit dans la politique actuelle du ministre de l'Éducation nationale, qui est d'intégrer une école maternelle dans chaque école primaire. La Banque of Africa, à travers sa fondation, mène de nombreuses actions sociales qui témoignent de sa responsabilité citoyenne. La fondation est implantée dans 7 pays, que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Bénin, Madagascar et bien sûr notre très cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Au cours de la cérémonie, le président de la mutuelle qui a porté le projet a exprimé sa gratitude aux responsables de la fondation. À sa suite, le représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire, tout en remerciant les donateurs, s'est engagé à faire un bon usage de ce nouveau bâtiment. Aujourd'hui, ce joyau que nous recevons nous fait vraiment plaisir. Et c'est aussi une invite aux autres mutuelles, parce que là, c'est un grand pas qui est fait. Ça va permettre vraiment aux enfants d'avoir un cursus scolaire assez fourni et fait dans de très bonnes conditions. Les populations d'Amoroki, heureuses de recevoir une école maternelle, ont exprimé leur joie par des chants et des danses de réjouissance. Rappelons que la Fondation BOA a offert 6 salles de classe en mars 2023 à l'école primaire publique Ara Centre 2. Plusieurs autres localités ivoiriennes ont déjà bénéficié de cette action citoyenne.